c'est épique! Je sais pas d'où vient cette musique, mais elle me donne une érection. Aïe! Ici, Truffy, et bienvenue pour la quête de ce bon vieux Truffy. Un RPG de qualité qui vient de sortir, qui coûte 69,69€. Pas 99, non, 69,69€, vous avez bien entendu ma bébé, c'est le prix affiché. Ça a été réalisé par H2O, celui-même qui nous avait réalisé un magnifique... Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir et que vous fassiez genre « Ah, je vois !» Donc merci à toi H2O encore pour ce magnifique cadeau. Je sais pas, il y a même des options. Toujours courir, off, comment se rappeler, off. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est dingue. Ma grosse tête immonde qui est en gros plan comme ça, c'est fantastique. Je n'ai aucune idée à quoi m'attendre. Oh, comme mon intro. Attention, ce jeu contient un langage qui peut sembler cru. Il est certifié sans spoil Undertale. Quoi? J'espère. Si c'est ne me spoilez pas. C'est moi? Oh, il y a même des dessins! Ah! Mais d'où est-ce que... sexy donc je suis? C'est vrai que c'est exactement comme ça que je parle. On dirait un jeu? Un diantre! Non, attends, qui dit diantre de nos jours? Que suis-je bête? Bah, il y a moi. Raison. Quoi qu'il en soit, ça sent le jeu fait avec RPG Maker. Non mais regarde, moi ça quand même c'est laid. Mais non, c'est très beau. Le scénario veut être daubé du cul, je le sens. Ici le créateur du jeu. Déjà, va te faire foutre. Ensuite, bienvenue dans ce jeu. Qui a dit ça? Voici les bases. Tu peux parler au personnage en appuyant sur entrée et tu peux sauvegarder en interagissant avec des miroirs astucieusement placés. Astucieusement placé. Oh. Je te conseille d'ailleurs de sauvegarder tout de suite grâce à ce magnifique miroir style gothico-gallo-spatio-graphico-moderne qui vient d'apparaître. Oh, oh, oh. C'est Mireille le miroir. Voilà. Fais pas chier. Ah! Youhou! C'est moi! Wow! C'est trop... c'est dingue! Sauvegarde! Je sens que je vais me faire tuer plein de fois. C'est quoi? C'est un trou? Je suis mort? Évidemment, évidemment, c'est pour ça qu'il le sauvegarde tout le temps. Mais heureusement! Ce bon vieux narrateur m'a prévenu. Je ne veux plus toucher à rien du tout. Quête du bon vieux Truffy. Du foin. J'ai une impression qui vient de nulle part qui me dit que de la prendre avec moi. D'accord. Cette impression, ce petit picotement dans l'anus exactement. J'imagine tellement une bande de petits nabos dans les fourrés qui sont en train de s'astiquer la flûte. Les aventures de Truffy. Oh, il y a un bouquet! Elles sentent bon ces putains de fleurs! Ouais, bah c'est chiant. Ok. Sa joie de vivre est transparente! Rentre dans la maison, fais pas ta te pue. Hé! Je peux savoir à qui tu parles comme ça? J'adore les petites expressions, c'est énorme! Ça a l'air d'une plante carnivore. Oh, une demoiselle! Bonsoir, mon sucre. Que dirais-tu d'une petite gâterie? Une petite gâterie? Oui, mon sucre. Si tu le désires, j'ai tous les parfums de préservatifs. Fraise, coca, pistache, jelly belly, fanta, argent, jage, et même fruit de la passion. Burk. Serais-tu intéressé? Non, je suis allergique! Non, désolé, je suis allergique au cul. On verra quand je le serai plus. Tant pis, à plus tard. What the fuck, je sens tellement le traquenard! Je suis quand même très curieux. Je sens que je vais mourir d'une MST ou un truc comme ça. Oh oui, avec plaisir! Retire tes vêtements. S'il vous plaît, ne montrez rien de... Oh non, la capote a craqué! Rassure-moi, t'as aucune MST, hein! Ne t'inquiète pas, mon sucre. J'avais le sida avant, mais plus maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est temporaire. Excalidur craque toutes les capotes. C'est bien connu. Tu vois, je le sens, c'est... À partir du moment où t'as un mec qui donne un miroir qui s'appelle Mireille... Je m'appelle Mireille! Juste, tu sais que... Tu vas devoir sauvegarder et contempler tes erreurs. Un ninja! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! C'est bien toi! Tu dois confondre. Oh, désolé, je l'avais pris pour autre Truffy. T'es le vrai Truffy Tube? C'est bien moi. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Je le savais, c'est bien toi, c'est bien toi! Oui, c'est moi, calme-toi! Je suis ton plus grand fan! Yes! Mon plus grand fan est noir et court très vite. C'est Usain Bolt. D'ailleurs, tant que je te tiens, c'est quand que tu fais FNAF 3? C'est une blague? J'ai pas pu m'en empêcher. Ah, c'est bien toi. Oh, je sais. Je vais tester tes connaissances. Connais-tu la musique qui est actuellement en train de tourner? Bah bien sûr! Qui ne connaît pas cette musique?
Yes! T'es le meilleur! Mist, viens voir! Mist? Tu t'étais pas coupé les cheveux? Si, mais les créatures du jeu en a probablement rien à foutre. Quel empoté. Ouais, bah après tous les zincs que t'as fait, je comprends. Ils sont en train de repousser, tu vois, c'est actuel. Le coup de foudre. C'est sans doute un homme, pas vrai? Qui a-t-il? Oh! Je vois que nous avons un invité. Bienvenue, Truffy. Merci, c'est gentil, mais... On est où? Et qui êtes-vous? Nous sommes dans la forêt de... Touche pas à mon poste! Non! Moi, je m'appelle Fouf, et voici ma sœur, Foufette. Ah non, c'est... Je m'appelle Mist, ravi de te rencontrer. Je suis tout heureuse, aussi heureux de vous rencontrer. Le petit clin d'œil, ça fait la différence. Mais comment me connaissez-vous? Bah, par YouTube, pardon! Ah, oui, bien sûr. Mais je n'ai rien à faire ici, ce n'est pas mon monde. Ne t'inquiète donc pas. C'est vrai que métaphysiquement, on t'a rien à faire ici. Mais la prophétie avait annoncé ton arrivée. Elle explique aussi ta rentrée dans ton monde. Une prophétie? Sérieusement? Non mais merde quoi! Le créateur a pu trouver mieux. Non, la prophétie c'est très bien. La trophrophrétie. Suis-moi, je vais te montrer. Il va trop vite. J'ai tellement envie de te reparler. Ne sois pas timide, rejoins mon frère. Ça fait une éternité qu'il attend ta venue. J'y vais de ce pas, merci. J'aimerais passer plus de temps avec toi, Mist. Tu es le brouillard de mon obscurité. Ce n'est qu'une peluche, n'est-ce pas? On sait tous que le petit ours est mignon. C'est un enculé. Oh, des pommes. J'ai faim. Laissez les pommes tranquilles. Non, je suis furieux de ne pas y toucher, c'est leur pomme. J'ai faim. Si faim. What the fuck? Non. J'aurais dû sauvegarder avant. N'empêche, merci H2O, t'es incroyable d'avoir fait ce jeu, c'est très fantastique. Ça paraît peut-être rien du tout, c'est peut-être super facile à faire, j'en sais rien, mais... Ça me touche beaucoup. Et c'est génial jusqu'à maintenant, autant la musique, les animations, l'humour, c'est sympa. Et je vais manger une pomme. Allez, rien qu'une. Ah, ça va tout de suite mieux. Je ne suis pas mort. Ça ne bougera pas. Robespierre ! Allez, allons rejoindre son frère étrange, qui sautille dans sa chambre. Ah, mais t'es trop lourd, dépêche ! Non, mais c'est toi qui as un sup... Il est grave, hein. On va voler ses peaux. Crois-moi, tu veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Ah, ok, je te fais deviner. Quand t'es seul, tu t'amuses avec une de tes mains. Pour les filles, c'est rarement toute la main. Bah là, c'est un truc pour qu'une fille n'ait pas à se salir leurs doigts. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je parlais dans le lit. Hein? Il y a un livre sous le lit. Elle a recommencé. Pourquoi elle ne les laisse pas tranquille? J'en ai vraiment marre de faire le petit frère innocent stupide et qui fait semblant d'être aveugle. Ils vont finir par nous poser problème. Qu'est-ce que... Casque des abonnés? The fuck? Le mec blasé. Je t'aime, sœurette. Je laisserai rien ni personne t'enlever à moi. Je pourrais te le dire de vive voix, mais pour plus de drama, je l'écris sur ce cahier qui est plus vierge. LOL. J'en peux plus de moi. Je kiffe ce perso. Cher Dieu, il paraît que nous... Moi, je lis les carnets privés comme ça au calme. C'est exactement moi. Il paraît que tu nous invites à un endroit incroyable si on a été assez sage. Je ne voudrais pas m'imposer ou sembler hautaine, mais sache que j'ai lu tous tes livres. Je suis ta plus grande fan. Je me souviens d'un de tes livres. Je n'ai pas trop su de quoi ça parlait, mais les images étaient rigolotes. Ça s'appelait le Kamu Sutra, ou quelque chose qui ressemble. Je savais que Jésus avait coédité ce livre. Aujourd'hui, un jage m'a envoyé un snap fort sympathique. Un jage? Qu'est-ce qu'un jage? On le voyait lui en train de chevaucher un cheval. On l'avait, je ne sais plus, en tout cas, l'un des deux était nu. Son innocence est perturbante. J'ai envie de pipi. Ces réflexions dignes de Truffy, putain. J'en ai marre de moi. Il y a des miroirs vraiment partout, ça. Tu sais que ça pue la merde, cet endroit, pas vrai? Il y a des cercueils, des trucs étranges. Damnit, je veux repartir. Comment j'ai fait pour arriver ici, de base? Ça me rappelle des mauvais souvenirs, je sais pas pourquoi. Bon, je suis enfin là. J'ai failli être impressionné. T'es en train de me dire que ta fameuse prophétie tient sur cette pauvre plaque en pierre. C'est génial, non? Un si grand savoir juste sur un petit truc. Vas-y, lis. Un si grand savoir sur un si petit truc. On m'a souvent dit ça. Ok, lisons ça. Ding dong. Qui est-ce? Le destin. Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ta venue. Gotta run now if you don't wanna die. Eh, dis donc, Fouf, elle est pourrie ta prophétie. Non seulement elle veut rien dire, mais en plus, à aucun moment je suis mentionné. En effet, tu es plutôt perspicace. Alors qu'est-ce que je fous ici? Tu vas pas tarder à le savoir. OMG! Fouf. Pourquoi vous allez crever, bande de putes? Oh. Torturez-moi. J'ai mal. Et merde! Mon anus, c'est quoi cet endroit? Pourquoi il y a du sang partout? Pas des hémorragies?
Hey, Fouf! T'as intérêt à m'expliquer où on est, ok? Ça va chier les mules! Fouf? Oh non, il bouge pas! C'est pas du ketchup! Réveille-toi! On est où? Pourquoi les inscriptions pas très gentilles? Je comprends rien! Je peux pas bouger. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Charmant, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je bosse dessus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? C'est simple. Maman est morte en emportant avec elle tout ce qui nous rattachait au monde extérieur. Je fais en sorte que ceci reste avec nous pour toujours. Terrible. Elle n'aurait jamais voulu une telle chose. Et d'abord, comment ils sont arrivés ici, hein? Ils sont arrivés de même ou presque. Tu vois, cette scie, c'est grâce à elle que nos invités passaient un grave séjour parmi nous. De quoi ils parlent? Mais tu vas pas bien? Et où tu vas comme ça? J'ai le plus possible loin avec de toi. Mais ça veut rien dire. Est-ce que le narrateur a un problème de personnalité double? Oui, bah je me barre d'ici, sale monstre. Non, 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 tu vas rester ici, toi aussi. Fais comme les autres et tiens-toi tranquille. Tremblement. Ah, merde! Bon, je suis où, moi? Alors, les ennuis commencent, pas vrai? On dirait un truc à la Silent Hill. J'aime beaucoup, pour l'instant, ce qui se passe. Même si j'aime pas. Oh, c'est un miroir, ça? Il y a vraiment une... très particulier, hein, c'est très flippant. Je sais pas où sont. Oh! J'arrive dans une bibliothèque. J'ai bien fait d'aller dans les ténèbres. Qu'est-ce que je branle ici? Vais-je trouver des revues coquines? Il y a une lettre. C'est bon, il y a personne, je peux lire. À mon futur moi-même. Waouh, tu es sûrement devenue grande maintenant. Ça serait vraiment dommage que tu oublies ce que tu étais avant. Voici de quoi t'en souvenir. Ah! The fuck! C'est Gollum! Ma tête! Oh, finalement, il est sympa, ce jeu! Non! The fuck! Je peux pas montrer ça sur YouTube. Il y a des nus! Ah, du coup, je vais ici pour trouver des nus. Aller dans le trou noir et trouver des nus. C'est ça, ma passion. Je viens de faire tout le tour. Okay. Alors, comment je vais faire pour sortir d'ici? Ces bruits me brûlent la tête et puis il y a plein de trucs bizarres aux alentours. Qu'est-ce que c'est que ça? The fuck? The fuck? Des mannequins, des trucs comme ça. Des paroles originelles sur les côtés, c'est... Je fais bien de sauvegarder parce que ça me paraît très chelou. Genre là, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Pierre, clé? Pierre? Caillou? Tout ça est très motherfucking étrange. Oh non, pas fouf! Je ferais mieux de pas y toucher, tu vas se casser la gueule. Fouf! Ok, fouf, je te tiens maintenant. Tu vas regretter tout le mal que tu as fait à ces pauvres innocents. 2, 0, 4, 8, 6, 3. Non, arrête! 2, 0, 4, 8, 6, 3. 2, 0, 4, 8, 6, 3. Non, 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 la ferme! Ah, il se téléporte, c'est Sangoku! Non, il se rapproche, il va mon cul! C'est assez creepy ce monde. The fuck? Tout se superpose. Fouf. 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 Je vais te choper, fouf. Arrête! Tu pourras pas te téléporter éternellement! Je vais m'enfuir d'ici! Ah! 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 J'ai failli lui tomber dessus! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il faut que je me déplace à pas feutrer? Damnit! Je ne peux m'échapper nulle part! Ça va me rendre fou ce truc! Faut que j'arrive à le choper! Faut que j'arrive à le choper! Ah! J'étais si près du fouf! Ah mais bordel! Reste là! Comment veux-tu que je m'en sorte après ça? J'ai un inventaire, j'ai un truc, qu'est-ce que je peux faire? Ah! Équiper! J'équipe Trophy! Putain, y'a même des. What the fuck? J'ai une arme! The fuck? Un bouclier! Ça marche ou quoi? Casque des abonnés! Peut-être que je peux optimiser le casque des abonnés, non? Avec ça, je devrais m'en sortir. Après, je vois pas d'accessoires particuliers. J'ai un corps, une arme, des boucliers. Avec le casque des abonnés, je devrais pouvoir... Non, ok. Ça ne change rien du tout. C'est juste un mindfuck total. À mon avis... Je suis coincé et je dois recommencer. Parce que sinon je vois pas de solution. Peut-être si je reste sur les bords, tu sais. Et là, je reste sur le bord. Et je le chope.
Faudra quand même expliquer pourquoi j'ai du foin. Tu me déconseilles vivement de parler à cet arbre? Juste un arbre, connard. Hey! D'où tu me dis hey, t'es qu'un arbre? Sale arbre. Mais quel culot! Je suis pas un arbre, je suis une princesse, bordel! Je suis la princesse Twilight Sparkle, d'abord! Quoi? T'es un cheval? Quoi? Moi, je suis pas un cheval, moi, il pue les chevaux. Moi, la princesse Twilight, je suis une alicorne et toc. Une alicorne. Oui, un culte, une alicorne, et ma voix vient de changer. Une licorne avec des ailes, quoi, fais pas chier. Mais je pourrais comme nom. Eh, t'es allé où ce week-end? Je suis allé chez la licorne, figure-toi. Quoi, t'es allé chez la licorne? C'est vrai qu'elle pue de la Quoi? ça va, on a compris. Je te connais pas et je t'aime pas, t'as l'air d'être complètement paumé ici. À ton haleine, ton style vestimentaire et ton franc-parle paysan, j'aurais que tu t'appelles Truffy. Bon, victime! Calme-toi, toi. Bon. Bien, j'en ai dit que t'as rien à faire dans ce monde. Si tu me rends un service, je t'aiderai à retourner d'où tu viens, deal? Ok, ça marche. Mais éventuellement, c'est quoi ce petit service? Twilight? Je suis un arbre, mec. Tu sais ça? Ouais, bon, salut. Si, regarde. C'est un arbre. Arrête de me fixer, merde, je suis un arbre, je te dis. Il y a forcément du foin, non? Je peux pas lui donner du foin? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, te v'là toi! Je peux... La ferme! Je suis déjà bien gentil de te prêter main forte, figure-toi. J'ai pas l'habitude de m'occuper de vulgaires paysans. Quoi qu'il en soit, je suis dans ta poche. Suis cet homme, va jusqu'à coucher avec lui s'il le désire. Quoi? En somme, fais tout ce qu'il te dit de faire. Je me chargeais de récompenser comme il se doit. Quoi? D'accord. Non, je ne vais pas coucher avec lui. Fou fait taré, on l'a vu. Et plus que taré même. Ça me donne envie d'aller dans le trou. Pourtant, je vais pas souvent dans les trous. Mais là, il faut que j'y aille. Je suis presque sûr qu'il est mort. Salut, je m'appelle Trophy, tu passes une agréable journée? Mais jamais trop prudent. C'est clair. Y'a un gros caillou ici. Oh! Y'a rien. J'ai cru qu'il allait dire caillou, mais non. Du coup, j'ai plus trop envie de te parler après tout ce qui s'est passé, tu sais. J'ai envie de me casser plutôt. Eh, mais il pue ce truc! Voyons ce qu'il y a dedans. Ah non! Quoi? Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est dégueulasse! Regarde-moi ça, on dirait de la bouillie de chair pourrissante trempant dans du sang. Ça a l'air très sympathique aussi, tous les objets autour. Et ces sépultures. C'est possible de faire quelque chose d'un peu plus cliché? Sûrement. Et un trou dans le mur. Bon, je pense que c'est mort de chez mort, il faut juste que je lui parle. Il se passe quelque chose ici, j'ai l'impression que Fouf n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Qui? Le mec bleu? Bien sûr que c'est un fils de pute, il a déjà signé plein de personnes comme toi. Plein de youtubeurs? Quoi, tu veux un coup de boule? Non mais tu te fous de moi, tu m'as dit de suivre un putain de psychopathe. La ferme, si je suis avec toi, c'est que je sais que tu vas t'en sortir vivant. Sinon, il me tuerait par la même occasion. Bah alors, pourquoi? Parce que j'en ai ras le cul d'entendre des cris de douleur venant dans cette baraque tous les 2-3 jours. Qui d'autre a-t-il tué? Quoi? Mais il y a eu combien de morts en tout? Je sais pas, moi j'ai arrêté de compter quand ça a pété mon troisième appareil auditif. What the fuck? Ah non, commence pas, what the fuck ça se dit pas à l'oral quand t'es français. Non mais, c'est nard, MDR, le mec trop pas OP, lol, j'en peux plus de lui. Ok, ok, pardon. Bon, comment je suis censé faire pour me débarrasser de lui? Sois pas radine d'esprit, Jeannette, tu verras bien. Ça m'aide pas beaucoup. Ah, tu me saoules! Ce poney me saoule. J'ai un poney dans ma poche, une alicorne, qui est en train de me... Je pense à ça, faudrait peut-être que tu t'intéresses à la façon de niquer Fouf. Tu te fous vraiment de moi. C'est le genre de truc... Y'a pas à tortiller, va falloir que tu les défonces sa gueule. Mais tu vas la fermer, le poney. Petit poney. Mais tu es physiquement bien trop fait pour lui effrendre le crâne à Manu. Hé, Manu comme moi. Sérieusement, il est tout chétif. Et je suis plutôt musclé. Je vois que monsieur le connaît mieux que moi, pardon. C'est vrai quoi, regarde-le, il est aussi imposant que Squeezie. Oh, le roast. Réfléchis un peu, tête de poule. S'il a réussi à tuer des centaines de personnes, c'est qu'il est pas mauvais. C'est vrai, t'as pas besoin d'être gros. Hé, Mist, elle le laisse faire? Mist? C'est quoi ça? La sœur de Fouf. Non, jamais entendu parler. C'est peut-être un... Hé, mais attends, je sais comment tu vas pouvoir lui faire juter son abominable cerveau de petite merde. Je t'écoute. Eh bien, figure-toi que le hasard fait bien les choses. Il y a justement dans le coin 4 reliques qui améliorent les statistiques de celui qui les possède. Intéressant, j'aurais aimé savoir ça au début. Si tu parviens à mettre la main dessus, je suis sûr que tu pourras lui niquer sa race à ce petit bâtard. Les reliques. Ça va sûrement être... Truc de la bibliothèque, pas vrai? Ça va être une relique. Ça va me donner l'érection d'Excalibur nécessaire, je ne veux pas revoir ça, cela dit. Donc faut que je trouve des reliques. Pour niquer Fouf.
Mais même avec ses reliques de la mort, il est possible qu'il soit pas hyper facile à éjecter. C'est-à-dire ? J'ai cru comprendre qu'il envoyait du cul quand même. Putain de poney. Ah, au fait, tiens ! T-shirt bitre fantastique, waouh ! J'avais oublié que j'avais une relique. Hey, oublie pas de t'en équiper avant de castagner notre bouffon, appuie sur... Ok, merci. Bon, sur ce, je te fais confiance, t'as intérêt à lui exploser le cul. Tu viens pas ? Non. T'es prêt pour le sucer royalement ? Le combat final n'est plus très très loin, du coup, pour ce petit boule, je vais rester ici. Oh, je vois. Fais pas ta fragile, sale con, tu vas y arriver. Quelle salope. Puis, j'ai des vidéos à aller regarder. Je suis tombé sur une sextape de la princesse Célestia, je te raconte pas. Je vais te dire, c'est la première chose que je vois utiliser. La première fois que je la vois utiliser autant sa corne. Je vois. Amuse-toi bien. Si, hein. Comme la chanteuse Morph Morph. Meurs. Ah, tu vas voir, Fouf. Je vais t'atomiser le fion. Mais j'ai pas les 4 reliques là du tout. Et je suis que niveau 1, donc c'est pas mal. Optimisé. Il me manque encore l'arme et le bouclier, je pense. Tu penses que je vais les trouver ? Pierre clé. Je me demande ce que ça fait, pierre clé. J'imagine que c'est pour mettre sur un caillou. Mais du coup, je peux plus repartir. Donc c'est qu'il me la donne, il me la donne pour après. Voilà, je retourne ici, je vais me faire téléporter à l'infini, je pense. Ça va être fantastique. Très fantastique. Je vais encore me faire péter le fion par Fouf. Regarde, ah, j'ai failli regarder les nuits. A few moments later. J'ai l'impression d'être très con. Genre très con. Parce que j'arrive pas. Du coup, je vais m'arrêter là, très fidèle. Il y aura peut-être une partie 2 du coup de ce jeu. Je ne sais pas si c'est vraiment la fin, le boss final, s'il y a quelque chose après ou pas. Ce sera à H2O de nous dire. Voilà. Parce que là, j'ai rien trouvé. Manque de reliques et je peux pas retourner en arrière, je crois. Et donnez-moi. Enfin, vous n'allez pas pouvoir me dire grand-chose, mais donne-moi des indices à H2O si j'ai loupé des trucs, si je dois faire des trucs particuliers. J'ai appuyé sur 204683863, je sais plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit jeu. C'était genre... Je trouve ça fascinant. Genre, excellent. C'est tout con, mais ça marche tellement bien. Et nice détourage pour cette image. Nice détourage. En tout cas, si vous avez apprécié... Ah ! Maman ! N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager votre entourage sur cette musique épique. Et si vous n'êtes pas encore, devenez un très fidèle. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'arrive même plus à parler, bordel de cul. Je vous invite pour une prochaine vidéo en ma compagnie. Bien. Oh, et si vous voulez voir un autre type de vidéo similaire, je vous invite vivement à cliquer sur cette autre vidéo, cette